Le roman Liv Maria de Julia Carignon va raconter l'histoire vraiment improbable de cette toute jeune fille au début qui vit dans un petit village breton avec ses deux parents, sa mère qui est également de Bretagne et son père qui est norvégien. Et ça va nous raconter son enfance qu'elle passe à moitié sur les rochers, des fois un petit peu à l'école, et avec ses oncles, voilà, qui sont toujours dans les parages, jusqu'au jour où il va se passer quelque chose avec un voisin. Et ça va radicalement changer sa vie puisqu'elle va être envoyée à Berlin chez une de ses tantes qu'elle n'a jamais rencontrée, avec un prétexte un peu superficiel. Ses parents voudraient qu'elle apprenne l'allemand, elle ne sait pas bien ce qu'elle va y faire, en tout cas son histoire commence là. Liv Maria, c'est vraiment un roman très fort de cette rentrée. Il se lit extrêmement d'une traite, il se lit vraiment très vite. On a l'impression de lire à la fois presque quelques petites nouvelles, parce que la vie de cette jeune fille, puis femme, puis mère, est vraiment très mouvementée. Elle va vivre aux quatre coins du monde, elle va rencontrer plein de personnes, elle va vraiment avoir une vie multiple, et ça en fait un personnage vraiment incroyable, très marquant. Et très juste, très tendre, très, très incompris aussi parfois. C'est vraiment un personnage très chouette. Alors, Liv Maria, elle va donc changer de pays, changer de vie plusieurs fois, parfois vraiment comme ça sur un coup de tête. Mais il faut savoir quand même que quelque chose lui est arrivé dans sa vie et elle va le porter en fait comme un fardeau, un secret, un non-dit, quelque chose qu'elle va vraiment avoir en elle. Et ça va évidemment l'influencer dans les choix qu'elle va faire, mais de manière inconsciente parfois, pas toujours assumée ou pas toujours comprise. Et on va comprendre vraiment à la fin du roman l'impact que ce secret, ce lourd secret va avoir sur sa vie en fait.